Ok, film détresse suite. On est rendu à Emergency numéro. On reste à numéro 1. Peut-être point 75, on a baissé un petit peu. J'ai enfin réussi à faire sécher mes affaires. J'ai mis une barre par-dessus mon poêle. Et là, je peux faire sécher mes gants. Alléluia, et mes bas. Mes pieds étaient complètement scrap. Et là, j'ai fermé ma porte avec ma tarpe. J'ai gossé en sibonac et j'avais une espèce de pente où je pensais pas pouvoir dormir. J'ai fait tellement d'affaires pas correctes aujourd'hui dans cette smoking à marde là. Et là, j'ai enfin. Je suis stable. Je vais pas glisser cette nuit. Et la seule chose qui peut arriver, c'est que si mon toit tombe, et ça serait le bout du bout du bout de la marde, ok? Et là, on sème au bout, c'est pas. Elle va perdre un chien. Le plafond va geler parce que ça devrait être bon quand même. Je dis ça plus en rien. Et là, j'ai enfin installé mon sleeping bag. Donc, je commence à avoir plus chaud. J'ai tout mis ce que je pouvais comme linge. Écoute, j'ai à peu près trois. J'ai. Ben, avec mon down jacket, ça c'est comme d'habitude. Mais là, j'ai mis mes pantalons en coton ouaté sur mon corps. Avec des pertes en coton ouaté devraient faire une job de la mort. Le Gore-Tex va fondre en dessous. Ça va tout s'imbiber. Mais au moins, je vais être correct pour demain. Et mes gears dans un coin, ça va être pas pire. Demain, je décalisse tout ça. Et je mets une bombe dans cette petite snow cave à marde là. Et là, il va me rester. Quand t'as qu'à checker, là, c'est nuit 3. C'est quand même intense, nuit 3. Tu sais, c'est cool. Je devrais être bon, honnêtement. Je suis content de ma snow cave enfin. Mais c'est ça, plein de petites affaires qui ont cumulé en espèce de détresse urgente. J'ai pas fait assez grande. Tout ce que je touche me fait tomber de la neige dessus. Fait que je suis tout le temps mouillé. J'ai été mouillé en la faisant, ça m'a fait chier. J'avais un peu plus de place, j'aurais pu m'installer vraiment mieux. Et pas tout être dans la marde partout là. Et mon entrée est trop grande, donc j'ai plein d'air qui. J'ai pas mon éclairage, il me faut lumière, c'est comme un cinéma. Et donc anyway. Je suis encore vivant. Je sais pas si c'est à cause de Pam, anyway, merci. Si tu m'as aidé, Pam, je le sais, je l'ai senti. Et on tient le coup, et Seigneur, et demain je me lève tard, ok, demain je fais une veillée, je peux partir, demain, je pense j'ai, faut voir que je calcule tantôt avec ma front light, là, je pense j'ai 6 heures à faire, et là j'ai une tente, demain je monte une tente, je niaise pas avec le POC, je gosserai pas comme un caf, comme je fais aujourd'hui, il y en a avec la tente demain, fait que je peux arriver à 5 heures, je suis parti d'ici à 11 heures si je vais être safe, là, tu sais, je vais sûrement passer avant ça, je vais me lever vers 9 heures, mettons, ce serait cool, ça serait vers 9 heures, 8h30, 9 heures, serait comme vraiment hot, et là, j'ai pas de temps à défaire, c'est quand même le fun, je fais tout démolir ça, je mets ça dans le sac, et fait que je me sauve au moins une bonne 45 minutes de gossage, et ce matin, écoute, j'ai perdu mon étui de tente, ça faisait deux jours que je l'avais installé, je savais plus où il était, j'ai tout défait mon sac, ça m'a pris une demi-heure juste gosser à trouver cet étui-là, il était dans mon down jacket, je l'ai mis dans une des poches de côté, l'espèce de bel innocent. On apprend, hein? On apprend. C'est d'abord des niaiseries que quand t'es en montagne dans une situation comme ça, tu veux pas que ça arrive. Et je vais juste finir en disant